Alors, je suis famille d'accueil depuis 2006, donc on fait à peu près un accueil par an. Et puis, depuis 2010, la chaîne de l'Espoir a souhaité développer des antennes locales pour développer l'image de la chaîne, faire parler d'elle, organiser des événements, des animations diverses et variées. Et je me suis portée volontaire pour représenter l'Essonne. Alors, être famille d'accueil pour un enfant qui est souvent c'est des problèmes cardiaques majoritairement, on les accueille donc dès Roissy. Ils sont pris en charge par nos familles. On fait les rendez-vous hôpitaux préopératoires. Ensuite, il s'écoule ou pas quelques jours. Le jour vient de l'opération, donc on l'accompagne le matin. Tout ça, c'est pour faire des économies de coûts. Il y a l'opération, l'hospitalisation. Ensuite, souvent, ils vont en maison de repos pour se rétablir environ une dizaine de jours, jusqu'au retour à la maison. Et on les garde environ un mois ensuite à la maison pour qu'ils se reposent, pour qu'ils cicatrisent, pour qu'on fasse les contrôles nécessaires avant leur retour dans leur pays. Et lorsque tout est OK, on les raccompagne à Roissy. Ça fait environ 2 mois de présence dans notre domicile. J'arrive à tout concilier. Après, on fait ce qu'on peut, suivant les périodes de l'année, puisque je travaille aussi en parallèle. Donc, suivant les moments, eh bien, on fait des animations ou on n'en fait pas. Je me fais aider. J'ai tout un réseau donc autour de moi, d'amis, famille, collègues qui me soutiennent donc dans mes actions, donc je suis pas du tout toute seule à œuvrer. Et après, voilà, suivant les périodes, on fait ce qu'on peut, effectivement, parce que lorsqu'on a l'enfant, la priorité, c'est l'accueil de l'enfant, bien sûr. Alors évidemment, notre combat quotidien, c'est la récolte des fonds. Pour sauver un enfant donc, qui va être opéré en France, il faut récolter entre 7 et 8 000 euros. S'il est sauvé dans son pays, ça coûte environ 3 000 euros. Donc, toutes nos actions, tout ce que nous entreprenons, c'est pour récolter des fonds, pour arriver à atteindre des sommes qui sauveront à chaque fois un enfant. Voilà. Vous pouvez faire des dons permanents avec des prélèvements simplifiés automatiques sur votre compte directement. Donc, ça peut être une toute petite somme, mais régulière. On fait aussi un appel aux entreprises pour un mécénat entreprise donc, qui est déductible à 65% de vos impôts. Et tout don ponctuel qui seront les bienvenus, bien sûr. Merci!